si on parle du cross-training, oui. Moi, quand j'entends ça, le cross-training, là, je sens là, que ça CrossFit. Fait. Ouais. C'est là que les gens vont penser à CrossFit. Ouais. Il faut faire attention à sa préconception-là, parce que le mot CrossFit, c'est un branding. Okay? Ils ont utilisé le principe d'entraînement croisé, donc le cross-training, pour faire un brand. Okay? OK. Explique, c'est quoi ça, le principe d'entraînement croisé? Justement. Donc, l'entraînement croisé, c'est des gens qui ont commencé, ça a commencé avec des sportifs, des athlètes. Disons, on prend un exemple, un athlète qui va faire que du poids lourd, OK? Un homme fort, OK? Puis tout d'un coup, lui, il trouve qu'il manque de vitesse, il manque de puissance, mais tout ce qu'il fait, c'est se pratiquer avec des poids lourds. Comment qu'on peut faire, comment qu'on peut être plus rapide avec un poids plus lourd? Ben, ils vont déroger, ils vont croiser l'entraînement avec un autre principe qui est entraîne-toi avec des poids plus légers, pratique de la vitesse, puis là, reviens à ton poids plus lourd, puis là, on va s'améliorer avec de la puissance en ayant pratiqué la vitesse. Tu as déjà la force, mais toi, tu veux plus de vitesse pour acquérir de la puissance, puis ils croisent des principes d'entraînement pour revenir au sport spécifique, puis, puis être meilleur. Donc, nous, on pratique pas nécessairement des sports, tu sais, qui... Bon, je peux pas m'adapter à ce point-là à chaque personne, mais on utilise des principes d'entraînement qui sont croisés. Donc, on fait d'une journée à l'autre, c'est une surprise. Fait que aujourd'hui, on fait de l'endurance. T'sais, on va faire des planches, on va faire des positions squat, on bouge plus. Une journée, l'autre journée, on va faire de la puissance, on va sauter, on va... T'sais, l'autre journée, on va peut-être essayer de faire des exercices qui sont plus difficiles musculairement. T'sais, donc, c'est juste de croiser les principes d'entraînement. OK. Puis, mettons que, ben, je suis pas un athlète, j'ai pas l'intention d'aller dans un athlète. Moi, je suis genre, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, je m'entraîne pour ma santé, être en forme. Fait en quoi ça serait pertinent pour moi? En quoi c'est pertinent? C'est une bonne question parce que souvent, les gens vont voir cross-training puis ils le feront pas en disant, oh, non, tu sais, c'est pas pour moi, je veux pas, je suis pas dans la performance. Ou, principalement, un cours qui... C'est varié. Le but, dans le fond, c'est de dire, le cross-training, c'est juste de dire, on s'en va dans différents tiroirs, puis on va varier l'entraînement. Finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que ça va être des surprises. On va avoir chaud, mais je veux dire, on n'est pas obligé de se pousser à la limite. Je donne un exemple, tu sais, si on fait la planche aujourd'hui, mais chacun son temps, là. Mais on essaie d'augmenter son endurance, puis donc, on va tenir le temps qu'on tient, mais on se pousse un petit peu, mais on se pousse, tu sais, je vais pas venir vous pousser pour qu'on dépasse des limites de performance incroyables. On va avoir chaud, on va s'amuser, on va rire, mais tout le temps en ayant des exercices différents. Principalement, c'est ça. OK, fait que dans le fond, t'as pas besoin d'être un athlète nécessairement pour faire ça, parce que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, si je comprends bien, l'objectif du cours, c'est de faire un melting pot de techniques d'entraînement dans le but de varier ça, puis que ça soit le fun, puis qu'on aille chercher des qualités énergétiques, si on veut. Là. C'est ça. Plus fort, plus souple. Exact, oui, c'est ça. Mais principalement, c'est sûr que ça bouge plus que le yoga détente, là, OK? Il faut prendre... C'est sûr qu'on est dans l'activation. C'est sûr qu'on est dans l'activation. Puis... C'est pas le but de se blesser, mais tu sais, on va se pousser quand même un peu, là. Le but, c'est d'avoir chaud, puis de tester un peu, c'est de se mettre au défi, là, quand même. Tu sais, mettons quelqu'un, là, que... Tu sais, moi, j'ai quand même un bagage en entraînement, là, tu sais, je m'entraîne de façon régulière. Hein. Fait que je me dis, OK, ça serait comme un beau défi, puis en plus, ça serait pas routinier. Mais quelqu'un qui part, là, comme de zéro, là, ça fait 6 mois qu'il a fait le couch potato, là, puis il se dit, OK, là, il est temps, là, suffit l'excuse de la pandémie, je me mets en forme. Est-ce que cette personne-là serait mieux de faire le cross-training ou elle va comme mourir sa vie après un entraînement ou elle serait mieux d'aller dans le mise en forme? Je suis pas inconfortable d'avoir un débutant avec moi dans le cours de groupe. C'est une question d'être capable de communiquer à la personne, ben, tu sais.
on va limiter l'amplitude du mouvement. C'est pas nécessaire de faire un squat trop profond si on essaie d'aller vite. Donc, on, c'est juste une question d'adaptation finalement. Puis moi, je suis là, tu sais, je suis toujours là. Mon but, c'est d'être là pour supporter visuellement l'exercice. Donc, je suis capable de montrer, en faisant l'exercice, je suis capable de montrer différentes variantes. Là, et, tu sais, ça, je suis pas inquiète là-dessus. Je peux avoir un débutant. Je peux avoir quelqu'un qui peut sauter plus haut que les autres, mais regarde, lui, je vais lui faire un petit commentaire pour qu'il travaille un peu plus fort. Puis là, Véronique, si jamais toi, tu n'as jamais fait du cross-training, puis tu te dis, ben là, comment qu'on saute, là, comment qu'on... Regarde, on ne sautera pas pour la première fois, c'est juste de faire le mouvement. Semaine prochaine, on va essayer de mettre un petit peu de saut dedans. Tu sais, c'est pas grave. Fait que tu vas ajuster l'entraînement en fonction des participants. Oui. OK. On accepte seulement 10 participants par groupe. Personne en ligne. Puis tu avais des correctifs à faire, tu sais. Oui, exactement. Parfait. Maintenant, le cours de mise en forme. Oui. On a parlé tantôt du cours de cross-training. C'est quoi ça? Comment ça va être différent, le cours de mise en forme? Oui, bonne question. C'est important de différencier les deux. C'est sûr que... Dans le cross-training, il va y avoir des mouvements fonctionnels, des mouvements faits avec le poids du corps, OK? Excepté que dans le cours de cross-training, c'est un peu plus, disons, comment je peux dire, la température est un petit peu plus élevée dans le cours de cross-training, si on... L'intensité, là. Je peux mettre ça, oui. T'sais, on recherche une intensité un petit peu plus élevée si on choisit le cours de cross-training, mais ça reste que ça peut être un débutant, OK? Mais pour comparer avec le cours de mise en forme fonctionnelle, on se concentre plus sur les capacités de la vie quotidienne, les capacités qu'on a besoin, des capacités qui sont tout à fait fonctionnelles avec les mouvements qu'on fait de tous les jours, se pencher, attacher ses souliers, aller chercher quelque chose de haut, faire des torsions, hein, les mouvements un petit peu moins sécuritaires, se pratiquer à bien gainer. Donc, il y a un petit peu plus de concentration par rapport à ça. OK. Fait que dans le fond, quand les gens suivent un cours de mise en forme, qu'on appelle la mise en forme fonctionnelle, parce que souvent, fonctionnelle, comme on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est, mais ce que ça veut dire, c'est que l'entraînement amène des bénéfices pour la vie quotidienne. Exactement. OK. Exactement. Tu vas donner l'exemple des sacs d'épicerie. Tu sais, oui. Si, quand je m'en vais au gym, puis je fais du bicep curl, puis c'est le seul muscle que je travaille, bien, il n'y a que mon bicep qui travaille. Mais dans la vraie vie, là, quand est-ce que je vais juste faire du bicep curl? À jamais. Jamais. Je vais prendre mes sacs d'épicerie, puis j'aurai besoin de mes abdos pour les transporter. J'aurai besoin de mes escaliers, disons. Exactement, sac d'épicerie, monter les escaliers. Tu sais, si on est quelqu'un qui se... OK, à qui ça s'adresse, mise en forme fonctionnelle, OK? Ça va s'adresser à quelqu'un qui se rend compte que dans sa vie quotidienne, il y a certains facteurs qui la dérangent, OK? Disons, je ne suis plus capable de me pencher comme avant, tu sais, ça me dérange, faut que je m'arrête dans mes escaliers, ou ça me fait mal au dos, j'ai des petites douleurs au dos après avoir fait mon ménage, ça me faisait pas ça. Ça, c'est toutes des choses qui fonctionnelles, ça, c'est du fonctionnel. Donc, c'est vraiment aller chercher, je faisais des mouvements avant, ils me dérangeaient pas, j'étais pas essoufflée, j'étais pas faible, je me sentais pas instable, je manquais d'équilibre quand je faisais ça. Hey, j'ai glissé 3 fois cet hiver, tu sais, des choses comme ça. Ça, le cours mise en forme fonctionnelle, c'est pour ça. Concernant l'équipement sur le cross-training, est-ce qu'il va en avoir de besoin? Non, principalement les cours qui vont être en ligne là, pour vraiment adapter, je vais m'en sortir super bien sans équipement, dans tous les cours. Pour le cours de mise en forme, ça va se donner le mercredi et le vendredi de 9h à 10h. Et pour le cours de cross-training, ça va se donner le mardi et le jeudi soir de 19h à 20h. Ça commence le 18 janvier, donc on part ça dès lundi prochain. Oui. Hey, je te remercie beaucoup de ton temps. Fait que j'ai vraiment hâte. Je pense que le yoga détente, ça serait bon.
Oui, c'est ça. Ça détend un petit peu, là, hein, par arrêter les méninges. Oui, effectivement. Bon, ben c'est super. Bien, bonne journée, Justine. Merci.